الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث 89 عن جابر رضي الله عنه. حديث رابورتي عن صحابي كفل جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. Alors, les Tipamim en Ansar, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu à Madina, il est encore jeune, à peu près 15 ans, entre 15 à 20 ans. Donc, son parent, son papa, qui s'appelle Abdullah, il est un vieux du monde, et il est en place, il participe dans la bataille Badr avec Uhud. Qui fait? Parce qu'il est encore enfant, et deuxièmement, son papa tient 7 tifis. Et dans la riwayat mentionné 9 tifis. Donc, Jabir, radiallahu anhu, tient 7 à 9 serres. Et son papa tivier. Donc, dans la bataille Uhud, il fait juste, comment dire, aide ban guerrier d'un jeu de l'eau, tout ça. Là. Il n'a pas fini de participer. Mais après ça, il finit de participer dans beaucoup de batailles avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mentionné jusqu'à 19 ban expéditions. Donc, les fins vivent pas mal de temps après. Alors, Jabir ibn Abdullah, le temps son papa finit de cas, son papa, au fait, si shahid dans la bataille Uhud. Son papa, si shahid dans la bataille Uhud. Et donc, il quitte lui avec 7 ou soit 9 serres. Son papa, pas quitte beaucoup l'argent, son papa tient beaucoup de dettes. Donc, les types de occupe sa famille là et en même temps rembourse la dette. Son papa, il quitte juste un petit place que de plantam, un petit espace. Côte plantam et ça quantité qui gagne là dans la lésis suffit comme on va dire pour autre manger mais je pas gagner plus que ça pas qu'avoir en bourse bandette. Le temps il retourner depuis bataille il pétrisse parce qu'il se voit pas une shahid dans bataille. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tout le triste là il mentionne il connaît qu'il se voit pas une intégrale dans une shahid dans bataille. Alors il mentionne dans le Coran ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. N'a pas pensé, n'a pas imaginé, jamais, n'a pas imaginé qui ban jimoun qui fin être tué ban qui donne la vie dans Allah sosime, comment dire ça ban jimoun la mort, jamais pas imaginé ça. Bal ahya, non mais je suis vivant. Inda rabbihim yurzaqun, je te paye, je te risque, que je te rab. Donc ça fin donne le courage. Alors, Léla, l'in mouillé avec une madame qui plie à Jekili, une madame veuve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais qui fait que tu vas mouillé avec une zen, tu fais, ici déjà zen, les mêmes. Léla, il a dit, non, je vais mouillé avec une madame qui plie à Jekili, moi, qui veuve. Comme ça, un dimon qui a l'expérience, qui est capable d'aider moi, occupe mon banser. Léla, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais tu as bien fait. Un jour, il y a le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ben, dis-moi, je peux venir taper la porte, je peux venir rouler l'argent. Mon papa, il a une petite dette. Ah ben, moi, j'ai juste sorti une table là, je ne sais pas qui m'a bouffé. Viens avec moi, cause avec Bandimoun là. Tu te fais au cas à comprendre. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, allez, allez, occupe-toi, Bandam. Je vais venir quand le soleil arrive là-haut. Midi, nous dire. Et à ce moment-là, Bandimoun est venu, il commence à fatiguer avec l'argent qu'il doit à eux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vini. Zis dans l'air, l'air a les causes avec sa bandimoun là. Parmi la dentine un juif qui lit, le temps l'intour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vini l'insiké. Mais c'est mal, il toujours peut tini, il peut dire non, j'ai besoin de remboursement à Stella même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais pas fait rien, il rembourse toi, un tigine à Stella, après il rembourse toi, il dit non, moi le tout à Stella même. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un doigt pour lui. Il dit, Jabir, allez, commence, prends tam rembourse, à travers tam même rembourse, beaucoup en a pour rembourser. Commence, compter rembourse. Là, il est allé. Jabir, il compte tam, il rembourse, tam là, pas qu'on est quand il sorti. Il peut continuer à compter, il peut aller, même jusqu'à finalement, tout se détient, fini. Et encore, il y a beaucoup de tam qui nous reste. Là, il prend ça, il y a même pour sa famille. Donc, Jabir, il témoigne beaucoup de maudisat depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une histoire qui tout le temps, il est content de raconter. Jabir, tout le temps, content de raconter. Quand une fois, il peut retourner, il peut, ensemble avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'expédition d'Atir Riqa, il peut dire, il y a net,
êtes tunnel devant les cordes. Il y a qui fait ça, Samuel qui peut monter là, il est bien bien lent. Il peut taper lui-même, il peut rester en place. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un tawadé, il dit à Samuel, il est lent. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend son bâton, il tape Samuel là un coup. Finalement, Samuel là, il est tellement rapide qu'il ne dépasse tout le monde. Jabir, qui a des antennes fermes, là, pour ne pas tomber. Alors, il est plus loin que tout le monde. Finalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comment te trouves-tu? Finalement, il est bien content, Samuel là, il dit, vanne-lui à moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vanne-lui à moi. Il dit, non, mais moi, donne-nous les cadeaux. Pas besoin. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté pour lui vanne-lui à lui. L'Hélène commence à faire prix. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit d'accord pour donner 4 dirhams. Et là, quand il arrive à Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, donne-lui 4 dirhams, donne-lui en plus. Donc il donne-lui 4 dirhams, il donne-lui l'argent en plus. Il finit prend son argent, il est allé donc pour lui rembourser un petit peu son mandat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit faire appel lui. Il dit à lui, prends Samuel là aussi, toi. Il donne-lui l'argent, il donne-lui Samuel là aussi. Et ça, il fait lui bien content. Et quand il retourne la case, il raconte ça sur madame. Ce madame est content, il dit que c'est Satan qui est même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour une bargain avec lui, pour une Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as envie de donner quelque chose. Juste pas donner lui comme ça même, il fait un petit dealing avec lui, finalement il donne lui ce Samuel qui est beaucoup plus bon qu'il était avant, il donne lui sur l'argent, il donne lui en plus tout. Là, là Jabir dit, moi aussi moi, tu peux attendre ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette histoire-là, il est content, raconte ça. Donc ça c'était quelques mots là. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu donc li dans bataille Uhud li bi rapporté qala rajulun lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm Uhud alo zu bataille Uhud anjimun bamiman musalman li di avec rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ara'aita ki vous trouvez ça veut dire dis moi in qutiltu fa ayna ana si mon mot dans sa bataille là, là. Ça veut dire si Jimon tu es moi, si mon shahid là, qui arrive moi, quand mon poète, qala fil janna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, ni jalib, et tu peux dans jannat, ça dit mon là, ça l'est là, les si peu manges d'âme. Alors, fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, thumma qatala hatta qutil. Alors, sa tame qui l'itien là, sur l'âme là, il a oglé. De suite, il a oglé, il prend sur les pays à la guerre, jusqu'à qu'il est shahid dans la guerre. Quand on apprend, quand on lit les histoires de Sahaba, là, ça crée un sentiment dans nous, que nous sentons cette taqwa-là augmenter. À cause de ça, tout le temps, nous devons continuer à apprendre à lire les histoires de Sahaba avec les autres salihin. Alors, ça dit, là, l'incident bataille Uhud, il peut manger des 3 tam. Alors, là, pas capable de manger belles affaires. Là. Tam même qui s'y posait manger vite, vite, comme on dit, pour continuer la guerre. Et le temps, il peut manger ce tam. Il n'est pas tranquille, en dedans il n'est pas tranquille, il y a envie qu'on ait des camos pour la guerre qui peut arriver. Alors il dit Mansa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Mansa Haba déjà connaît qui arrive. Mais c'est mal, il a envie de ça depuis la bouche Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit qu'il est dans le jannat. Alors il n'a pas envie de continuer ce temps. Il n'a pas envie de ce temps. Tellement il a envie de goûter ça, shahadat là. Donc là, il n'a pas envie de ce temps, il est dans le jannat. Bataille. Alors là, leçon qui nous tirait là-dedans, c'est libon nous demander ben quelque chose quand nous pas connaît, ou soit nous redonner ben information. Et l'autre quelque chose important qui nous apprend là-dedans, c'est qui est ça sahabi là. Quand on trouve un bon quelque chose devant, il pas tardé. Peine à manger qui finit tardé, peine à nourrir qui finit tardé. Même ce temps n'est pas fini. L'iskara dit, ben laisse-moi finir ça des 3 temps là, moi aller non. Ça aussi n'est pas intéressé. Et donc ça rappelle nous ça ayat Coran là encore qui wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata n'a pas pensé jamais que ban djimoun qui donne toute la vie dans Allah sosime zot ban mo bal ahya mais zot vivant et inda rabbihim yurzaqun zot pou gagne risque zot gagne risque que zot rab et zot gagne risque qui beaucoup meilleur qui risque qui zot gagne dans la dunya. Donc nous faire doa avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous tawfiq apprendre l'histoire des sahaba l'histoire des salihin ben dis-moi tout Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui ça fait les faits nous et qui les fait nous aussi bénéficier de cette qualité là nous aussi nous venons ben meilleur dis-moi et qui Allah subhanahu wa ta'ala donc lui par son rahmat fait nous rentrer dans la jannah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.